De retour, chers téléspectateurs, on va devoir recevoir déjà les tout premiers invités de ce culte musical pour ce soir. L'artiste n'en est plus présenté parce qu'il est un habitué de cette émission de chronique musicale, Livrades, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans le culte musical. Merci, mon vieux. Vous allez bien? Je vais très bien. En forme? Oui, en forme. Ça fait longtemps que je t'ai reçu? Ouais, ça fait un peu longtemps. Oui. Ouais. Tu étais en préparation? Bah, j'étais encore dans le travail, donc je me préparais un peu. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous apportes ce soir? Aujourd'hui, je suis venu présenter ma chanson Goma. Goma? Oui, c'est une chanson qui est sortie déjà il y a de cela un mois. Mm-hmm. Donc voilà, c'est ce que je vais nous présenter aujourd'hui. Goma, et tu ne parles de quoi? Goma, je parlais de ce qui se passe à l'est de notre pays. Oui. Donc la guerre, le viol. Mm-hmm. Donc j'ai voulu au moins faire quelque chose en parlant de ça et passer un message donc sur ça. Vraiment, c'est très important, hein, vraiment, oui. De penser à nos frères de l'est. C'est vrai. Ah, vraiment, tu es l'un des rares artistes quand même à penser à eux. Je n'ai pas dit que les autres ne les font pas, mais quand oui. même tu es l'un des rares. Ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. À utiliser ces genres de thématiques pour quand même penser à eux. Oui, bon, parce que ça fait vraiment mal en tant que Congolais. Donc, on est là, voir nos familles, nos sœurs violées. Donc, ouais. Ça fait vraiment mal. Et je voulais aussi passer un message sur ça. Donc, ce n'est pas seulement un message, mais c'est aussi une façon de les soutenir. Donc, de penser aussi à eux pour dire qu'on est toujours avec eux. On est ensemble, on est des cœurs avec vous. Ouais. On va devoir d'ailleurs aller en image. On va devoir prendre ce clip. De cette chanson Goma, de notre invité qui fera énormément plaisir à Shadrach Mukenge en train de nous regarder depuis la maison, ensemble avec madame son épouse, madame Evody Mukenge, et on revient juste après ce clip. Avec vous la famille, skill 2. Ah, ma bebozo sala boko futango anase. Mokili tour à tour, biso tout aux anase. Bo violé pe ba maman, bo bomi banamikye. Kongombo kanabiso, donc on peut pas vivre en paix. Tole la matin, midi soir, nzambozo monate. Ba prière na biso, na tounies ke zoko mate. Ba jeune, ba veille, ba retraite, nzambola la kate. Bitumba na bitumba, tu ne peux même pas dire assez. Ma famille est zolé la nanya koyo kabiso. Ennemi abata mite tozo mone na misu. Bomengo yo pia biso et meme li biso malheur. Pourquoi pas signer un accord au lieu de nous faire du mal? Pourquoi passer par les sangs pour enrichir vos poches? On sait bien que les occidentaux sont derrière ce coup. C'est pourquoi ils disent rien, ils font comme s'ils ont rien vu. Qui tue par l'épée, payera qui est par l'épée. Kagamo zando kipe osa mute mamabe. Yebanyo sozo salo kofuta ngwa anase. Mokileza ayote yopio kokote anase. Tunaba oba zala kie sika bakenda. Vanité de vanité, tout est vanité. Je passe un message aux politiciens de ce pays. Voyez pas que vos intérêts au moment où nous en souffre. Tole lana bande konabiso kunana est. Fardese tote le mabende le koya. Et bien sûr, c'était ce très beau clip Goma de notre invité Livrades. Et à part ceci, on peut retenir quoi? Bon, l'artiste est encore en préparation. Mm-hmm. Il y a un son qui sort déjà bientôt. Mm-hmm. Mais je préfère encore cacher le titre. Parce que, pourquoi cacher le titre? Bah, parce que là, je suis venu présenter la chanson Goma. Donc, je suis encore dans la promotion de la chanson Goma. Ok, tu es encore dans la promo? Oui, oui, parce que les gens doivent moins consommer ça. Donc, c'est un peu ça. Et sinon, la musique, ça évolue de ton côté? Bah, ça évolue jusqu'à là. On essaie toujours de se battre. Mmh. Tu t'es déjà tapé un sponsor? Jusqu'à là, pas encore. Mais pourquoi? Quand même, on a des gens. Bon. Parce que moi, je sais que tu es un artiste pétri de talent. Oui. Et c'est quoi? Tu n'arrives pas à avoir un sponsor facilement? Bon, le travail, on doit d'abord travailler. Ouais. Peut-être ils sont déjà là et ils attendent moins voir le. Ils observent. Oui, ils attendent moins voir le meilleur de nous-mêmes, donc. Voilà. Et dites-nous un peu, jusque-là, pas de production? On a joué en production déjà, c'est 25 août. Oui. C'est 25 août du côté tabac. Mm-hmm. Donc, on a un événement là-bas. Je suis invité, donc je serai là-bas. Je crois, c'est avec Grave 4. C'est avec Grave 4, ouais. C'est avec Alba Blackmont. Donc, ouais. C'est déjà mes frères que je salue. Ouais.
Ça sera du côté tabac. Tabac chaud, oui. Tabac chaud du côté tabac, donc chez Danny Color. Ok, ça sera à quelle heure? Ça va se passer, donc ça commence déjà à 12h jusqu'à X temps, 17h, 18h. Et là, quand vous allez livrer, bien sûr, toutes ces productions-là, ça sera en playback, soit avec tous les matos, avec tous ces équipements-là de musique? Bon, ça sera en playback. Ça sera genre playback. Ouais, parce que ça dépend aussi de matos, des tout. Donc, une fois tout y est, on fera le CC. Voilà. Et tu es au sein d'un groupe ou soit tu es toujours en carrière solo? Non, jusque-là, je voulais toujours seul. Pourquoi? Tu ne veux pas de voix féminine aussi derrière ton groupe? Bon, ça a toujours été mon idée. Ça a toujours été mon idée d'avoir au moins, genre, une fille à mes côtés qui fait moi ce que je fais aussi, donc genre le rap et tout. J'ai toujours eu l'idée là d'encadrer aussi une dame qui fait du rap. Donc. Mais avec le temps, ça... Avec le temps, tu ne veux pas lancer le message pour déjà... Recruter? Bah déjà je lance le message, je vais lancer mon numéro, je vais laisser mon numéro à la fin. Si tu es une dame, tu fais du rap, donc j'ai besoin de filles qui rappent, donc on doit aussi faire ça ici à Lubumbashi. Pas seulement à Kin, pas seulement ou non, ici aussi à Lubumbashi. On voit le Brazzavillois, des gens le font, donc le Kinois le font aussi. Ici aussi on doit le faire. À Lubumbashi on a besoin de filles qui rappent, donc écrivez-moi, je vais laisser mon numéro à la fin. Ouais. Et en guise de rappel, vous faites quel genre de style de musique? Moi, je suis un rappeur. Je suis un rappeur, donc je fais de la musique, je fais du rap conscient, et je fais aussi du rap game. Wow. Mais je suis pas seulement rappeur, non, je fais aussi du chant parce que je sais aussi chanter. Tu peux nous faire quelque chose? Talanga naolela, Miami suetangi, motema nangezoki. Nabimineti yuma, nyosopo na bolingo, no mamae. S'il te plaît, t'en vas pas, je pourrais faire tout ce que tu veux. Pour ti kalaka yanga et tina soukai. Salanga nyo solingi so kyoko boma boma mote mananga me mango e. Batu boya e, boya e, moanu alingia boma nanga e. Boya e, moanu alingia sasa nenga o. Wow. Félicitations. Merci beaucoup. Je te vois, tu as déjà décoré tes doigts avec des bagues. Ça a des significations? Soit c'est pour juste Le juste délire. Comme ça, juste comme ça. Je suis un artiste, un rappeur, donc j'aime vraiment porter cette casquette-là. Donc ça ne dérange pas que je puisse aussi en avoir? Ouais, ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. On ne va pas mal interpréter par les téléspectateurs. Non, même pas. On me croise comme ça en route avec 4 bagues. Non, même pas. D'ailleurs, ça... J'aime comme ça. Quand je vois comme ça et quand tu passes même à un endroit, on regarde comme ça, on voit déjà les bagues, on se dit, ah, tel c'est un artiste, donc ça marque aussi. Ok, alors pour finir, un message fort à lancer à tous ces milliers de téléspectateurs en train de nous regarder à travers le monde. Ce que je dois vous assurer et vous confirmer ce soir, parce que vous devrez savoir que Shalom Télévision, désormais, on est sur Star Times. Donc vous nous suivez à travers le monde, comme ça, à travers cette émission culturelle des chroniques musicales ce soir. Voilà. Je vais demander juste aux gens d'aller consommer la chanson Goma sur ma chaîne YouTube en tapant juste Livrada-S, donc Livrada-S. Consommez vraiment la chanson, consommez la chanson. Pour tous ceux qui veulent contacter l'artiste, je laisse déjà mon numéro de contact, c'est le 097 30 80 101. Je réitère, 097 30 80 101. Encore une fois, 097 30 80 101. Donc contactez l'artiste, soutenez-moi avec vos messages, vos encouragements, vos appuis, donc ça me fera énormément plaisir. Voilà, quelques salutations, peut-être deux salutations. Déjà je commence par saluer mon vieux Chani Swag depuis Kaizen. Je salue Marca LM, je salue David, je salue mon gars sur Abilos. Donc je vous salue tous le frérot, prenez ensemble. Je salue ma famille aussi et la famille Koubeloa, je vous salue. Merci beaucoup l'artiste. Hein. C'est merci pas la dernière à vous. Fois. C'est votre émission. Merci pareil. Voilà, on se quitte avec la transition. On va devoir recevoir d'autres invités dans ce culte musical.